Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Super Tuxcart, épisode 2. Alors aujourd'hui, on va aller de nouveau un petit peu se promener. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises la dernière fois. J'en ai dit quelques-unes quand même. Alors, le drapeau d'un temple du chaos, c'était pas la Corée du Nord, mais j'ai regardé, il y a 2-3 petites ressemblances. Vous voyez plutôt. Et puis, on va essayer cette course-là. Je ne sais même pas laquelle c'est. Ah, la mare de Nessie. Alors celle-là, elle est magnifique. C'est chouette. Ah, je me réjouis de voir ce que ça donne. Voilà. J'espère pouvoir un jour enregistrer le son qui passe dans le jeu en même temps que là. Actuellement, malheureusement, ça ne marche toujours pas. Sachant que si je veux avoir ça, il me faut un retour audio en même temps de ce que je dis et ça m'empêche de parler. Donc voilà, pour l'instant, je suis sur le haut-parleur et puis le micro enregistre péniblement la musique. Qui est d'ailleurs absolument top. Voilà, on va tester la mare de Nessie. Avant elle s'appelait Voyage en Écosse, je crois, si je me souviens bien. Mais vous allez bien vite comprendre pourquoi. Et on est parti. Alors, je trouve que la musique est absolument top pour celle-là, pour le coup. Allez. Ah, j'espérais avoir les étincelles rouges, tant pis. Enfin bon, j'ai eu quelques petits soucis aussi. Ah. Voilà. J'ai enregistré tout à l'heure l'autre jour mon intro, l'intro du jeu, mais en fait je l'ai faite après avoir joué et naïvement et j'ai perdu toute ma config, mais c'est pas grave. Je viens de rejouer les parties qui me manquaient. Et puis maintenant j'essaie de jouer avec ma manette. Ça me donne un peu plus de précision pour les virages. Et c'est vraiment sympa. Ah. Enfin, un peu de précision plus toi. Ah. Non mais c'est pas vrai! Ça y est, je suis au tracteur. Allez, on va essayer. Bon, ça sert à rien là, pour le coup. Ça sert à rien, de toute façon, il a le chewing-gum qui le protège. What the hell? Eh non, j'ai pas signé pour ça là. Revenez là, bande de... Allez, étincelle rouge. Yes! Voilà, ça c'est un joli booster. Et voilà, le cheesecake dans la figure. Mais bien sûr, mon gars, mais bien sûr. Bon. Ah, début difficile. C'est pas pour rien que c'est le mode expert. J'ai eu Jean-Manuel Clémenceau, si je me souviens bien du nom. J'espère que je n'ai pas écorché, mais normalement c'est tout bon. Qui m'a aussi donné plein de petites astuces. Enfin, joli commentaire. Merci à toi. Il est de la team qui a fait notamment, qui fait les nouvelles courses. En fait, c'est lui tout seul, la team. C'est un concept à lui tout seul. Non, mais bref. Je m'égare parce que je suis trop concentré sur ce que je fais. Non mais du coup c'est lui qui m'a reparlé du sort de drapeau puis d'autres choses aussi. Non mais oh. Toi là devant. Voilà, comme ça je suis en tracteur, je suis tout plat, c'est génial. Et... Tiens, comme ça je suis pas tout seul. Aujourd'hui je m'égare. Je crois que je reviendrai par écrit sur ce qui m'a dit comme ça sera plus facile parce que actuellement je joue comme un pied et ça c'est juste lié au fait que je parle parce que normalement ça va beaucoup mieux. Voilà. Alors, tiens, prends ça. Tiens, je constate que les petits commentaires ont disparu. Il y avait des petits commentaires avant qui s'affichaient contre quelqu'un. Ah bah voilà Nessie, il est à droite. Ah, le monstre du Loch Ness donc, hein, pour ceux qui connaîtraient pas. Oh mais c'est pas vrai, et il me vole la victoire. Oh, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Elle s'explose! Oui! Oh, génial, oh, génial, oh, génial. Il faut surtout pas que je m'arrête. Il faut surtout pas que je laisse me prendre mon. Ouais. Quoi? Loupé? Ah, mais oui, j'ai loupé à cause du. Ok, je vais recommencer. C'est à cause du timer en fait, qui est en haut à droite. On va espérer que cette fois ça marche. Je vais me taire. Et là, normalement, ça va aller. Tac. Voilà, donc il faut vraiment doser dans les virages quand on dérape. Oh ta mère! Alors lui, si je le retrouve, je lui pète sa fesse. Sa face. Saleté de panda! Disparais! Ah oh, oui, oh, oui, c'est bien ça.
Louper l'intro pour pas choper l'autre non plus. Tiens. Allez! Une boule de basket, c'est un truc qui nous rattrape et puis. Allez, j'espère que cette fois. Je vais essayer de rester un peu derrière lui. Je chope le vent. Ah, il se taille. À un moment donné, ils savent esquiver. Ou s'ils savent pas, ils font très bien. Oh, j'espérais tellement avoir du truc. Un peu pour lui péter sa face devant. Mais apparemment, c'est une option aujourd'hui. Mais taille-toi! Allez. En fait, il faut que je dérape sur tout le long là. C'est drôle parce que quand je joue avec des potes, ça va beaucoup mieux. Oh, j'ai une minute pour finir. Pourquoi mon écran passe au noir? Pourquoi mon écran passe au noir? Oh mon dieu, c'est. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est l'économiseur d'écran qui vient de s'activer. Je sais pas pourquoi. Alors. Wow, non! Et voilà. Je crois que c'est la fin du pangolin sur cette course. Ah, oh, c'est nul. Ah, oh, c'est nul. J'espère que je vais. Je peux encore essayer. Mais c'est vraiment. Je parle et du coup, je fais n'importe quoi. J'en veux pour preuve, j'ai. Ben, j'ai joué l'autre jour. J'ai fait un grand prix avec des potes. Ah! Bon, voilà, c'est cuit. Ok, ça sert même à rien de la finir celle-là. Je vais faire un rage quit pour le coup. Si je mets What? Si je mets une nouvelle course, je quitte le mode histoire. Bizarre. Bon, je vais retourner. On va essayer une autre. On va essayer une autre. Mais c'est magnifique les fails aujourd'hui. Bon, alors celle-là, c'était un magnifique échec. On va essayer celle d'à côté. J'espère que ça marchera mieux. Je comprends pas pourquoi. Ah, sous la mer. Si celle-là, je l'arrive pas, j'arrête la série. C'est une, en général, je cartonne vraiment. Et celle-là aussi, elle est très très belle globalement. Donc là, on est dans un tunnel sous l'eau. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y avait déjà un concept comme ça sur une très ancienne version d'STK. Mais elle était beaucoup moins belle et puis elle était beaucoup plus difficile à faire. Ça, c'est vraiment. Là, c'est de l'autoroute pour le coup. Hein. On va toujours tout droit, tout droit, tout droit. Ouais, non, ça sert à rien, j'arrive pas à déraper. Ouh. Alors, voilà, un petit peu de nitro. Je suis premier, tout va bien. Alors, j'ai juste un petit regret pour celle-là quand même, c'est qu'il y a eu une époque où elle avait une autre musique que je trouvais beaucoup mieux. Et je suis pas le seul autour de moi, on est plusieurs à l'avoir dit. Mais bon. Allez. Ça peut venir aussi des haut-parleurs, hein. Ah! Allez, grosse nitro, on va essayer de lâcher. Voilà. Alors je vais essayer de garder la banane pour me faire une grosse nitro en plus. Si je trouve un chewing-gum par terre. Parce qu'ici c'est vraiment de la rapidité. D'ailleurs quand il y a le parachute, il y a un truc à faire, c'est vraiment freiner tout de suite. Comme ça on enlève le parachute. Oh là là, j'espère que ça va marcher. Parce que... Voilà, comme ça je suis quasiment blindé, enfin je suis vraiment bien blindé au nitro. Hein. Ah oui, bien sûr, non, j'aurais pas dû. Olé. Oui, alors pour le coup, la gestion n'est pas très... Ah, je pense que vous entendez peut-être les hurlements des voisins qui se promènent dans le couloir, puisqu'il y a un passage de 2 cm sous ma porte, à travers lequel on peut tout entendre ce qui se passe. Allez, on est reparti. Tiens, il n'y avait pas des piliers avant là? Ah bah ça fait longtemps, ouais. Il y a une époque où il y avait des piliers. Qui auraient dû se faire casser si on rentrait dedans, mais ça a été abandonné. Alors... Alors pour le coup, si vous regardez la carte, je suis vraiment en avance. Et voilà, je dis ça, donc je me prends une banane. Il faut vraiment que je me concentre. Hein. Sinon, je fais n'importe quoi. Oh non, oh non, non. Non! Sale, sale. Si je connaissais le sale gosse qui a fait ça.
Donc un petit malin qui a tout changé. Voilà, avec ça exactement. Donc c'est sur 2 tours hein, seulement cette course-là, puisqu'elle est très longue. Ah oui, c'est moi. Bien, bravo. Non mais il fallait me rajouter un petit peu de difficulté, c'était pas possible autrement. Allez. On va essayer de speeder un peu. Il me reste 20 secondes, ça veut largement le faire. Tac. Voilà. Oula. Ok. Bon, quand même quelques points en plus. Nom de bleu. Depuis le temps que ça fait quoi? En tout cas, 10 minutes qu'on joue. Ouais, 10 minutes à peu près. Et enfin, une victoire. Ah, c'est un petit peu dur aujourd'hui. Alors, j'ai gagné 10 points sur 10. Ouais, super. Alors, apparemment, ça m'a rien débloqué du tout. Ça... Mais, ma foi. Tant pis. Ça, on retournera plus tard, une autre fois. Hein. Et puis, là, qu'est-ce qu'on a? Une à 150 points. Je ne pense pas qu'on va la faire tout de suite. Je sais même pas laquelle c'est. On va aller voir les pyramides. Voilà. Alors, tac, tac. Alors. Ah oui, c'est une récolte de nitro, je crois. J'ai même pas lu en fait. Ouais, je dois. Ok, alors ça veut dire que je dois arriver tout au bout. En 3 minutes. En 3 tours. Enfin, un peu moins de 3 minutes. 3 tours. Et. En ayant quasiment le stock maximum de nitroglycérine. Ça va être du suicide intégral. Non, c'est le genre de truc, il faut le rester des fois 10 fois. Ah oui, non, j'ai pas le droit. Voilà, j'ai déjà grillé un petit peu de nitro, j'ai même pas réfléchi. Là, par contre, la musique est vachement cool et c'est très drôle. Elle ressemble beaucoup à une musique de Chroma Grally, auquel j'ai joué sur Mac quand j'étais gamin. Oh! Ah ouais, d'accord. Non, alors là, prochaine fois, j'irai lentement. C'est pas comme ça qu'on ramasse la nitro, hein, monsieur. Ah, je sais ce que je peux faire. Mais ça, je veux pas les voir. Allez, au revoir. Merci. Oula, mais j'ai déjà dépensé la moitié de mon temps. Et je suis pas à la moitié de mon tour. Ah non, c'est pas encore la moitié. C'est pas encore la moitié de mon temps. Je suis pas vrai, je dis des bêtises. Ah, cette fois, je n'ai eu qu'une. Il faudrait que je réussisse à trouver un chewing-gum. Voilà, puis à le lâcher, puis après balancer ça, ce qu'on a maintenant. Alors là, il y en a une. Non, on en récupère une. Ah, j'ai pas la moitié de ma nitro, ça va être très difficile. Voilà, et je me suis arrêté. Voilà. Ah non, non, non. Ça sert plus à rien maintenant, ça sert plus à rien. Je fais n'importe quoi, les gens. J'espère que vous vous rendez compte à quel point je joue mal. Oula! Alors là, par contre, c'est ma mon dérapage qui a lâché. Comme si j'avais lâché le bouton, ce qui n'est pas le cas. Ah, alors on a un booster, ça c'est excellent. Oulala. Ouais, alors pour choper toute la nitro, ça va être limite impossible. Je pense que la technique, c'est le coup du chewing-gum. Oulala. Bon, je suis cuit. Ok. Je pense que je vais la finir pour le. Pour la frime, mais je vais même pas essayer la canitro, ça va pas être possible. What? Mais hé! Oh! Ouais, c'est foutu. En bon français, c'est foutu là. C'est pas grave, on va retenter. Ouais, je pense que je me donne une limite de deux tentatives sur une vidéo pour telle ou telle course. Bon, alors on va recommencer. Cette fois, on sait qu'on doit vraiment lâcher le plus vite possible des chewing-gums. Ok, alors j'ai un taux de pénalité, je vais la recommencer. Oh, pas déconner non plus, hein. Voilà. Non, dommage. On va l'utiliser pour se booster un coup. Oui, parce que le débouche toilette, il vous accélère quand vous le tirez en avant. Si il attrape quelque chose. Ça, j'en veux pas. Alors, ça, je les ai eus, c'est bien.
Je les ai loupés, génial. Bon. Ouais, je maintiens, ça ressemble vraiment à la musique de Chromagrally. C'est les mêmes instruments. C'est pas la même musique, évidemment, hein. Il y aurait une question de droit d'auteur, de toute façon. Alors, Chromagrally, c'était un jeu avec du même genre, mais avec des hommes de Cro-Magnon. Pourquoi je n'arrive pas à avoir un petit chewing-gum? S'il te plaît, Grégoire. Faut vraiment, autrement, je peux essayer de speeder à fond, à fond, à fond. Et puis utiliser le bonus de vitesse comme. Ah, presque. Et utiliser le bonus de vitesse pour après gagner du temps, pour aller choper les autres nitros. Parce que de nouveau, là, j'ai bientôt fait deux tours. J'en ai une seule. J'en ai une seule. J'ai à peine la moitié, quoi. Ouais, puis j'ai sauté beaucoup trop haut. Ok, alors on va jouer le tout pour le tout. Ah non. Et j'ai de nouveau mon écran qui s'assombrit, c'est génial. Je sais pas pourquoi il m'a. J'ai pas changé mes réglages pourtant, à ma connaissance. C'est peut-être tout simplement parce que je ne touche pas du tout ma souris, mon clavier. Et que quand je joue à plusieurs, ben ça pose aucun problème. Il vient de relâcher exactement comme l'autre fois, c'est drôle. Bon, dernier tour. Allez, je veux l'avoir. Je la loupe. Ok, on va de nouveau booster à fond, à fond, à fond. Ouais, alors toi tu sers plus à rien, t'es bien gentil, mais tu sers vraiment plus à rien. C'est avant que t'aurais dû venir. Alors pour le coup là, j'ai beaucoup plus de temps qu'avant et j'ai presque toute ma nitro, donc. Ah non! Allez. Non! Il m'en faut encore un tout petit peu. Voilà, j'ai ce qu'il me faut. J'ai ce qu'il me faut, j'ai ce qu'il me faut. Il me reste 15 secondes. Allez, 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 allez. 8, 7. Oui! Alors là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors j'ai galéré, hein. Ok. Enfin, j'avais réglé cette histoire d'économiseur d'écran. À la prochaine case. Voilà. Ah, j'ai déverrouillé le Grand Prix pour Jeune Manchot. Eh ben, ça c'est une très bonne nouvelle. Il me reste 7 minutes de base de ce que j'avais pris pour l'épisode, mais je pense que du coup, on va aller faire le Grand Prix pour Jeune Manchot. Je sais pas si je peux. Je pense qu'on l'a pas. Non, à mon avis, on l'a pas comme ça. Je vais juste voir si c'est pas. Ce truc-là. Non, bah ça c'est le temple cacao, justement. C'est. Non, alors c'est bien ça. Ok, donc on va sortir de là, et puis on va aller faire le Grand Prix pour Jeune Manchot. Allez, on va reprendre Suzanne en mode course normale, et je vais faire le Grand Prix pour Jeune Manchot. Oui, alors si jamais, là, toutes mes courses sont déverrouillées, c'est juste que j'ai recopié tous les fichiers de course que j'ai remis dans le truc à côté. Et en réalité, je les ai mis comme des extensions. C'était pour jouer avec des amis. Si jamais c'est un bon truc comme ça, vous vous déverrouillez pas tout le jeu par rapport au jeu histoire. Mais sinon, c'est bon. Oh, encore celle-là. Bon, maintenant on la connaît par cœur, ça va aller. Mais après, maintenant ça va être facile, hein. Les IA. Si c'est juste un grand prix, c'est vraiment facile parce que c'est pas toujours le même qui gagne. Donc même si on finit deuxième à chaque fois, en général on arrive à gagner. Ce qui veut pas dire que j'ai envie de finir à gagner. J'ai pas envie de finir deuxième, hein. J'ai quand même ma fierté. Mais voilà. On va tous les embêter et on va récupérer du matériel. Ouais, alors là je vais lancer derrière, ça massacre absolument à rien. Autrement ça bouche la vue, hein, si. Bah on l'a déjà vu une fois ou deux. Et l'ordinateur pour simuler ça il ralentit en fait. Donc ça ralentit un opposant. C'est toujours une bonne chose. Allez, on va se blinder un coup. Voilà, vous avez vu, je suis déjà bien, bien, bien devant. Donc, ouais, les Grands Prix, c'est tranquille. Allez. Waouh! Mais de nouveau, il me lâche au même endroit, c'est drôle. Je sais pas à quoi c'est dû. C'est comme s'il y avait quelque chose sur la piste qui me réinitialise. Ça paraît très bizarre. Est totalement pas logique, hein. Mais
Voilà, tac. Oh! What the hat? On va essayer de. Voilà. Bon. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé là. Bon, de toute façon, je suis toujours premier. C'est pas un problème. Ah, bah, je viens d'esquiver un. Ah, bah, j'ai bien fait de me planter finalement, hein. Oh! Pardon. Alors. Un tout petit effort. Voilà. Alors, je tiens vraiment mon bouton. Il n'y a aucun problème là. C'est ici qu'il lâche d'habitude. Là, il lâche pas. Je sais pas. Allez, on va retenter par là, en espérant qu'on fasse pas n'importe quoi. Oula, il y a vraiment un truc là bizarre, hein. Tac. Bon, c'est pas grave. Limite. Tac. Et bébé. Ouais, alors, je suis un petit peu désolé quand même que ça vous fasse une troisième fois de suite la même course, hein. Mais bon. Alors, on est en tête et on est content. Alors, en plus, ça c'est la mieux de loin de toutes. En fait, ça fait un petit summary de tout ce qu'on a déjà gagné, quoi. Tac. Alors, celle-là ne me pose aucun souci, pour le coup. Presque aucun souci. Faut jamais dire jamais. Ou ni aucun. Alors. Yes. Si ça, c'est pas la classe. J'ai entendu la boule arriver. Et j'ai juste eu le temps d'attraper de quoi me protéger. Alors bon, après, j'ai pris le chewing-gum. Ça, c'est rien de grave. Parce qu'un chewing-gum, c'est très vite évacué. Tac. Ah non, mais c'est pas vrai. Voilà, allez, on est parti. Wow, alors le booster plus les. Oh là là, il m'en fallait pas plus. Mais ah oh mince, j'ai appuyé sur un bouton par erreur. Du coup, je me suis planté. J'ai déréglé ma manette en fait. Elle est passée du mode stick au mode. Oui, alors quand on est tout devant, ça sert absolument à rien les parachutes. Voilà. Eh ben, j'ai bien fait d'avoir le chewing-gum, définitivement. C'est une très belle invention, hein. Pendant longtemps, dans ces cas, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune protection. Voilà. Alors là. Pourquoi est-ce que je fais la tête? Je comprends pas pourquoi Suzanne est triste. On est premier, c'est la deuxième fois de suite, hein. Et voilà, j'ai de nouveau mon écran qui se taille. Ok, classe de maths d'Olivier, ça c'est la toute petite, hyper rapide. Je pense que ça va être sur 6 tours. Si c'est comme je me souviens. Ah non, 4 tours. Ah, c'est sur 6 tours, on est Grand Prix en aléatoire. Allez, tac. Ah, pour le coup, elle est hyper rapide, hein, celle-là. On a déjà fait un tour. Ah, il y a une balle qui me poursuit. Voilà, il n'y a plus de balle qui me poursuit. Ouais. Heureusement qu'il y a le machin. Hein. On l'a pas à chaque fois, mais quand on l'a, c'est vachement utile. Le chewing-gum. Allez, étincelle. Oh, sérieux? Juste au mauvais moment, le parachute de la navette spatiale, là. On va se booster un coup. Alors, tac. Ah, on a même rattrapé le dernier. Un tour d'avance. Et de nouveau, je suis triste. Il y a un bug sur cette animation. Je ne comprends pas. Pourtant, jusque-là, elle a toujours l'air contente. Hein, chaque fois que j'ai regardé. Enfin bon, 36 points, c'est très très bien. Si on regarde, les autres sont vraiment quasiment à égalité. Hein, entre 15 et 11 points. Là où je suis à 36. Donc, c'est vraiment une preuve, s'il en fallait une, qu'on va
qu'on est plus efficace que l'ordi pour gagner des points. Je pense même statistiquement je pourrais perdre celle-là ou la suivante complètement. Être dernier, ça changerait rien. Alors, pom pom pom. Ah oui, on a les deux passages, ouais. Moi, ça dépend vraiment du monde qu'il y a devant moi. Hein. Savoir si je vais à gauche ou à droite. Ah, là, j'ai une pelée de monde derrière au bruit. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Sarah, mais non, mais tu te crois où? T'as pas le droit de t'accrocher comme ça aux gens. Je sais que tu m'aimes, mais quand même. S'il y a des Sarah qui m'écoutent, je vous remercie de votre compréhension. Tac. Ah oui, d'ailleurs, Sarah, voilà, ça fait partie des explications que j'avais eues. En fait, c'est une mascotte, c'est la mascotte d'Open Game Art, qui est une référence apparemment dans le matériel utilisable dans les jeux. En fait. Et du coup, il reste un seul personnage qui n'est pas un. Qui n'a rien à voir avec le monde du logiciel libre, c'est Nolok. Donc, on pourrait dire que dans Super Toxcart, malgré le nom, c'est Nolok le héros. C'est la mascotte du jeu, du coup. Voilà, ça c'est une explication totalement personnelle et totalement foireuse que je viens de trouver à la seconde. Et là, vous pouvez me dire bravo, Cyberpangolin. Alors. Virage, virage. Voilà. Boum. Ouais. Ouais. Bon, tout va bien, quoi. Si je regarde ma carte, je suis largement devant le monde, quand même, globalement. Oh, faut que je me méfie un peu, hein, parce que on n'est jamais trop prudent, mais globalement, ça va plutôt bien, c'est cool. Et puis, je pense qu'on sera très bien parti pour finir ce Grand Prix pour Jeune Manchot en étant en première place. Et ça redorera un tout petit peu mon blason par rapport aux mes magnifiques échecs de la journée. Mais c'est assez logique, hein. Le jeu a quand même été plus ou moins prévu. En tout cas, d'après. Pour ce que j'en ai vu de ma copine qui jouait. Oh oui! Oh dommage! Ça a été corrigé. À une époque, on pouvait tomber là au milieu sans. Tiens, prends ça. À une époque, on pouvait tomber là au milieu et marcher au fond, enfin, rouler au fond de la mer. Ma copine avait réussi cet exploit, mais bon, elle réussit tous les trucs bizarres que personne d'autre n'arrivera à faire. Et puis. Tac. Voilà. Nom de bleu. Je veux être premier. Non. Toi, t'es diabolique. Tu te tailles. Taille-toi au large, blaireau. C'est pas possible. Faut que je me reconcentre un coup. Voilà. C'est comme ça que j'entends ce jeu, moi. Ah, dommage, je pensais qu'il était plus près. Voilà. Moi, fait la tête. Suzanne qui fait la tête. Je pense que c'est un bug, définitivement. Et on est à. Donc là, il faudrait 12 points de plus. Donc même si Beastie gagne, 23, donc 45 points, ça lui ferait. On est déjà au-dessus, donc on est déjà sûr d'avoir la première place du truc. C'est un peu comme les champions de Formule 1 qui sont premiers et puis ils doivent encore jouer trois courses, mais ils savent déjà qu'ils ont gagné. Allez, on est parti sur la première qu'on a faite aujourd'hui, je crois. Je me souviens déjà plus. C'est le poisson rouge que je suis derrière. Voilà, il y a Chris, c'est poisson fécond. Ben moi, je suis pire. Je suis le poisson rouge. Allez, 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 allez. Allez, étincelle rouge. Ah oui, j'ai fait un truc aussi l'autre jour qui était. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Magnifique échec. C'est pas grave, là on peut jouer pour le fun. On peut faire n'importe quoi, de toute façon on a le temps. Hein. Qu'on finisse maintenant nos 10 minutes, on a gagné le championnat. Allez, on va se booster un bon coup. Ah, c'est terrible. Éternuer pendant que vous conduisez. Ah. Bon, j'espère que ça va aller.
C'est bizarre, la caméra tremblote un peu quand je regarde derrière moi. Enfin bon, c'est pas grave, donc on regarde devant. Alors, tac. Mais alors, boum. Moi je dis encore un gigantesque merci à toute l'équipe qui a fait STK, c'est vraiment absolument top. Je veux dire. Tac, c'est vraiment. Le niveau de qualité de ce jeu est juste incroyable, je trouve. Alors, des fois il y a des petites inégalités, mais c'est normal puisque des choses qui viennent un peu plus. Il y a un peu plus longtemps. Mais globalement, c'est un jeu. J'ai pas d'autre mot que magnifique, quoi. Alors. On va virer. Voilà. Oula! Ça n'est pas passé loin. Bon, Gimp, là. Tu crois vraiment que tu veux prendre ma place? D'ailleurs, il y a eu un truc assez drôle. J'ai suivi ça un petit peu de côté. Par derrière, si je puis dire. Il y a eu une drôle d'histoire. Il y a des gens qui arrivent à critiquer ce jeu pour des questions de sexisme et de... What the hell? Voilà, faut que je me taise. C'est un signe, le jeu n'aime pas quand je parle de ça. Ouais, non, mais je... Bah, je lui laisse la première place, je suis gentil. Ah là là, j'ai le droit d'être triste. Oh, il y a une petite histoire assez bizarre, des polémiques, des gens qui se sont plaints que c'était sexiste et puis que c'était raciste. Et je vais dire fuck à ces gens-là. Parce que non. Il n'y a rien du tout là-dedans, derrière, de méchant, je sais pas quoi. C'est vraiment un jeu juste magnifique. Et alors on va laisser les râleurs râler, et puis tant pis pour eux. Voilà. Fin de la polémique. Alors du coup, pouvoir profiter de la magnifique animation entièrement 3D. Vous pouvez agiter les bras en l'air comme les brins d'herbe. Pour fêter ma victoire triomphale de ce magnifique grand prix pour Jeune Monchot. Oh, je crois que c'est juste pour le fun, ça, en fait. Hein. Il y aura peut-être quelque chose de petit peu mieux fait plus tard, mais voilà, moi je trouve ça super cool quand même. D'ailleurs, si quelqu'un des devs m'entend, un truc qui pourrait être super chouette et facile à faire, c'est d'animer les personnages avec leur animation de victoire. Après, je dis ça, c'est pas moi qui le fais, je sais pas le faire. Hein. Voilà. Bon, alors sur cette magnifique image de grand prix, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, un rouge si ça vous a pas plu, un commentaire si vous avez des choses à dire. Et moi je vous fais des très très gros bisous. Je vous retrouve dans un épisode. Non, la prochaine fois, je ne sais pas quand ça sera, mais bientôt j'espère. Voilà, ciao tout le monde.